Bonjour tout le monde, ici Cascade Darkness pour un nouveau, un vieux jeu qui s'appelle Slanktar Mi Street Retro. Ben 123 Slanktar Mi Street Retro. En fond, c'est un jeu, c'est sur le jeu, mais un jeu d'horreur que tu te surveilles des corridors avec une lampe de poche. Mais ce jeu, what the f pour moi, je ne comprends pas le but du jeu. À part ce jeu-là, en fait. Bon. Ok, on va mettre la musique. Merde. Ça va être difficile. Non, attends. Je sais pas si on va m'entendre par d'ici la musique, mais la fois il y a 13 étages dans le jeu là. Il faut te sauver 3 monstres en particulier, un qui te suit. Là, qu'est-ce qu'il y a en arrière des portes, il fait ce gros débris comme ça. Je dis c'est quoi, je dis c'est... Et à chaque fois, trois étages, dans le fond, t'affrontes un boss, le même boss, mais il y a plus de points de vie. Il faut tes effets avec la lame torche. C'est un petit gameplay que je vous fais, là, juste comme ça, tout le temps.
Faut économiser un quart sur la batterie. Bon, c'est quand même le rattrapé environ 3 fois. Yo. Quand j'ai vu la vidéo, cette musique-là qui est en train de jouer au piano. Ah ouais, trompez ma lumière, on tranche. Bon, en parlant du boss, le premier boss. Il y en a un petit peu, à chaque fois qu'on a un bois, il nous fait des screenshots, hein, il nous fait des one shots. Bon. Ouais. Moi, pas sens. Merci. Ouais. C'est moi, je n'aime pas trop la lumière en fait. Ouais, il aime ça dans les petits trucs, hein. Le pervers qui derrière là, qu'est-ce que j'ai eu pop ou l'autre qui accélère le pot. C'est quoi ces manches, on dirait des manches de McDonald's. C'est une ancienne assiette du McDo. Est-ce qu'il y a un peu de lumière, ça peut être ça, ça? Il est... Le persique excusé, il y a pas mal s'il laisse mis d'une lampe torche. Et puis il y a pas l'air à le faire quoi. Ouais. 13. Il y a 13. 13 étoiles en fait. En tout cas, ok. Faut que tu sois mené plus. J'essaie d'être pile pour ta lampe de poche. Ta lampe de poche. Ouais, c'est lampe de poche. Et je peux te remercier à DA Game pour la musique qui joue en fond. C'est grâce à ça que j'ai trouvé le jeu là en fait. J'aurais préféré le vrai jeu de notre Spider Mystery. J'aurais préféré avoir le vrai jeu, mais c'était précisément. Bon. Le retour du boss c'est n'importe quoi. Il faut que je surveille, il va aller gauche à droite, il faut que je prenne mon perso, il faut que je fasse pas comme tous les autres en fait. Dans le cas, il y a une petite plaquette. Le dernier étage que je ne peux pas dépasser. Ok, on peut juste se limiter en fait. Oh merde.
Oh, you should have switched it. C'est sûr que leur pattern sera pas réduit à grand chose. Ah, bah, il se rapproche. Elle va y marcher, il trottine. Là, il court. Ouais. Et voilà. Tu vois, c'est que j'ai testé le jeu en premier. Faut pas galérer pour mon truc. Je sens que ça me joue. Ouais, là, prenez la mienne, là, on va vous voir tout ce qu'il y a. Je vais jouer un peu maintenant. Ouais. C'est pas des manches plus heureux par les gens, quoi. Ouais. Ouh, de qui c'est? Lui, à moi, il gâte son patin. Pas comme lui. Tiens, le gars, il a pas... l'aperçu, il a pas peur de l'autre, hein. Il dit non, c'est lui, juste pas. Même j'en vois, je dis l'inverse. Waouh. Je vais laisser là, après je vais faire ma deuxième partie de vidéo. Tu sais, ce jeu-là est hyper chiant, hyper cool. En fait, il peut attaquer deux fois de suite du même côté. Oh, oh non, j'avoue, cette petite bébête là, cette petite bébête de lâche. J'avoue, cette petite bébête de lâche. Ouais. Ouais, je sais, pas trop de réflexe, j'ai du skill, moi. Moi j'ai du speed. Je n'ai pas de speed, moi j'ai du speed. J'espère qu'au moins, il y a 3 étages, donc je vais vous la faire après, là. Je vais vous laisser avec ça. Et salut tout le monde.